بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحطب علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعن أمهات المؤمنين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tout d'abord, merci au Centre musulman de Marseille de m'inviter aujourd'hui. On m'a dit qu'on est les premiers intervenants. Du coup, ça met une pression... Barakallahu fik. Ça met une pression supplémentaire d'être les premiers intervenants ici, pour moi, pour vous, sœur Nadia, et pour ceux qui vont venir derrière nous. On m'a demandé d'intervenir sur le thème de la place des mères des croyants aujourd'hui. Alors la réponse, elle peut surprendre, ma réponse peut surprendre, mais on va aller droit au but dans une ville où vous avez pour slogan droit au but. La place des mères des croyants aujourd'hui, elle est la même qu'hier. Ça peut surprendre comme réponse, c'est peut-être pas ce à quoi on s'attendait, mais c'est la même place qu'elles avaient hier et la même place qu'elles auront demain. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas répondu à la thématique. Il nous faut donc savoir quelle place elles avaient hier pour comprendre quelle place elles ont aujourd'hui. La place qu'elles avaient hier, c'est d'avoir un rôle éducatif, de seconder le prophète, alayhi salatu salam, de nous éduquer, de nous faire cheminer vers Allah azza wa jal, d'être des exemples, d'être des modèles. Souvent, on considère à tort uniquement qu'il y a le prophète. Lorsqu'on parle de la sunna, on parle de le Qur'an et la sunna, et on a résumé la sunna uniquement en la personne de Rasulillah alayhi salatu salam. Or, le prophète n'est pas le seul à constituer la sunna. Ou bien, encore une fois, on parle du prophète et des sahabas. Et on met de côté, à tort, les mères des croyants, Ummahat al-Mu'minin. Alors certes, certains diront, mais elles sont des sahabiyats. Elles sont des compagnonnes. Elles sont des compagnons. Oui et non. Elles sont compagnons dans le sens qu'elles sont musulmanes, qu'elles ont cru aux messagers, mais elles sont les mères des compagnons. Donc elles ont un degré qui est différent des autres compagnons et des autres compagnonnes, c'est qu'elles sont leurs mamans, elles sont nos mères à nous également. Chacun d'entre nous sait que dans l'islam, la place de la mère est très importante. Nous connaissons tous quelques hadiths, des paroles de grands imams, l'imam Shafi'i, Malik, Abu Hanifa ou Ahmed, qui vont aller dans le sens pour montrer l'importance de la mère l'importance de la mère selon la conception musulmane. On sait par exemple que c'est à ses pieds que le paradis se trouve. On sait qu'elle est le pilier de la famille. On sait qu'elle a un rôle éducatif. Un rôle éducatif pas dans le sens qu'elle doit être cantonnée au foyer. Je ne vais pas me permettre, il y a beaucoup de sœurs dans la pièce. Mais un rôle éducatif parce que souvent, on aime davantage notre mère plutôt que notre père. Et puisqu'on aime beaucoup plus la mère, alors on va plutôt avoir tendance à plus écouter la mère. Et c'est en ce sens-là qu'elle a un pouvoir éducatif beaucoup plus important, beaucoup plus fort que le père. Mais on oublie qu'on a d'autres mères. On n'a pas simplement une mère biologique. Et si chacun d'entre nous sait nos devoirs, nos responsabilités vis-à-vis de la mère biologique, on a oublié, moi le premier, nous, vous, Allahu a'lam, qu'on a d'autres mères. On a 11 mamans qui ont des droits sur nous et on a des devoirs envers elles. Il s'agit des épouses de Rasulillah alayhi salatu salam. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important, de savoir que Khadija, c'est ma mère, Aïcha, c'est votre mère, Hafsa, c'est notre mère, etc., etc. Et donc, nous avons des obligations vis-à-vis d'elles, nous avons des devoirs vis-à-vis d'elles, et on sera questionné sur l'oubli, sur nos oublis vis-à-vis d'elle. Et je vais aller plus loin. Chaque sœur, chacune de nos sœurs doit s'inquiéter. Les sœurs sur Internet, YouTube, présentes, doivent se poser cette question-là. Si vous êtes maman et que vos enfants ont oublié les mères des croyants, pensez-vous qu'ils vont se souvenir de vous demain? C'est une question forte parce qu'on doit aimer Khadija avant notre mère biologique, Aïcha avant notre mère biologique, et ainsi de suite. Parce qu'elles sont nos mamans, elles ont aidé le prophète, elles ont accompagné le prophète. Vis-à-vis de la mère, certains d'entre nous
peuvent avoir peut-être un assentiment. Ils peuvent se dire, la relation que j'ai avec ma mère, elle n'est pas comme je l'aurais espéré. Peut-être ma mère n'est pas assez impliquée dans la foi, dans la spiritualité. Peut-être ma mère n'est même pas musulmane. Peut-être j'ai des soucis avec ma mère. Peut-être je n'aime pas le comportement de ma mère. Peut-être j'aurais aimé qu'elle soit davantage, qu'elle ressemble à Zainab al-Ghazali, à Rabi' al-Adawiya. Peut-être j'aurais aimé que ma mère compte. Peut-être j'aurais aimé qu'on ne parle pas mal de ma mère, qu'elle soit irréprochable. Chacun de nous a une relation avec sa mère qui est soit magnifique, soit compliquée, soit totalement épanouie, soit il y a des manquements, c'est possible. Mais à celles et ceux qui vont vivre ces sentiments-là, qui vont ressentir ces choses-là, c'est un domaine qui est compliqué. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui de parler de la relation entre l'individu et sa mère biologique. C'est quelque chose qui est assez sensible, sur lesquels chacun peut avoir des lacunes, des manquements, des regrets, spécialement lorsque la mère n'est plus présente avec nous ou qu'elle est trop âgée et qu'on se dit quelque chose s'est cassé et qu'il ne pourra plus être renoué. Mais il y a d'autres mères qui, elles, attendent une réconciliation avec elles, un renouement avec elles, un lien avec elles. Ces femmes, si elles ont pu leurs épaules, si elles ont pu apaiser la tête de Rasulillah, si leurs mots ont réussi à réconforter le prophète, si leurs mains ont réussi à donner de la chaleur au prophète, alayhi salatu wasalam, si leur présence a été un réconfort pour le bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, si elles ont réussi à le faire sentir être aimé, si elles ont réussi à lui donner cette sérénité, ce courage, cette compassion, ce réconfort, alors c'est qu'elles sont capables d'assurer avec nous tous. C'est qu'elles sont capables de porter nos peines, c'est qu'elles sont capables d'écouter nos regrets, nos remords, c'est qu'elles sont capables de nous tendre la main, de nous prendre la main et de nous faire cheminer vers Allah Azza wa Jal, même si elles ne sont plus présentes avec nous. Allah Ta'ala n'est pas physiquement présent avec nous, mais de manière spirituelle. Chacun d'entre nous sait, on ne peut pas voir Allah Azza wa Jal, mais nous pouvons ressentir la présence de Dieu. Nous pouvons sentir qu'Allah Ta'ala est là. Nous avons son livre, Al-Qur'an, qui nous accompagne. Le prophète, alayhi sallam, n'est plus parmi nous. Pourtant, sa sunna est toujours là. Eh bien, les mères, c'est exactement pareil. Elles ne sont plus présentes physiquement. Nous n'allons pas les rencontrer dans Dunya, Inch'Allah Ta'ala, dans l'Akhira. Mais leur enseignement, leur moralité, leur exemple, leur legs, leur héritage est toujours là. Alors, je pourrais faire un peu de promo et vous dire, par exemple, dans ce livre-là, sur les mères des croyants, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais en réalité, elles sont toujours là et elles vivent à travers quelques exemples. Quelle est donc la place qu'elles occupaient ? J'ai voulu m'intéresser, qu'avons-nous besoin dans la société d'aujourd'hui ? Et à travers nos besoins, ce qu'on appelle « el-haja », ce que j'ai besoin, ce que je veux, ce que je désire, voir quelle est la place qu'elles doivent occuper, qu'elles pourraient occuper pour combler ce manque et répondre à ces besoins. L'une des premières choses que l'être humain a besoin, c'est d'argent. Il y a un exemple dans les mères des croyants. Quelle est la place des mères des croyants dans cette question de l'argent ? C'est qu'elles sont là pour nous montrer comment monter un business, comment entreprendre, comment réussir financièrement. À travers une d'entre elles, spécifiquement, à travers une d'entre elles, bien sûr, Khadija radiallahu anha. Khadija est un exemple parfait de la réussite. Vous voyez, quand on veut monter une entreprise, je crois, la sœur Nadia, vous êtes entrepreneuse, non ? Une association. Quand on veut monter une entreprise, un business, on fait un business plan. Eh bien, Khadija, c'est un business plan en elle-même. C'est l'exemple parfait, et notamment sur cette thématique des fémaises, c'est cet exemple parfait de l'entrepreneuriat au féminin. D'une chef d'entreprise, et pas une petite entreprise, une grande entreprise. Allah Ta'ala dit à Rasulillah, nous t'avons trouvé pauvre et nous t'avons enrichi. Il l'a enrichi à travers Khadija radiallahu anha. C'est donc, quelle place pour les mères des croyants aujourd'hui dans cette question de l'argent ? C'est un exemple de comment réussir son business. Avec un lien avec Allah Ta'ala, bien sûr. Elle a tout mis au service de Dieu. Et nous connaissons tous ces paroles-là. Si je donne 1 euro, Allah Ta'ala me rend 10. Si je bâtis un projet basé sur la foi,
alors Allah Ta'ala va m'accompagner. Mais si mes fondations sont basées sur ce que nous considérons comme étant haram, alors nous avons cette conviction-là que Allah Ta'ala ne va pas mettre de baraka à l'intérieur. Il n'y aura pas de sakina, il n'y aura pas de réussite. Les fondations seront fragiles. Khadija radiallahu anha a été cet exemple-là. Comment monter un business dans Al-Halal? Comment investir son argent? Vous savez qu'elle s'est enrichie d'abord à travers l'héritage de ses premiers époux. Deux. Et comment elle a travaillé cet argent-là? Comment dans une entreprise, on ne peut pas tout gérer. On ne peut pas s'occuper de tout. On a besoin de léguer, de déléguer. On a besoin de choisir de bons responsables. Khadija a trouvé les bonnes personnes. Maïsara, son serviteur, et Mohammed alayhi salatu salam, qui finira, je ne vous spoil pas, par devenir son époux, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on a besoin aussi dans notre quotidien aujourd'hui? On a besoin de savoir, on a besoin de science. L'islam nous dit que talabul ilm fard, la recherche du savoir est une obligation. L'imam Ahmad rahimahullah nous enseigne, elle est obligatoire cette recherche, du berceau jusqu'à la tombe. Comment au berceau on fait pour apprendre? À travers des jeux éducatifs. Par exemple, le prophète nous dit, jouez avec eux pendant 7 ans, éduquez-les pendant 7 ans et accompagnez-les pendant 7 ans. De 0 à 7 ans, il ne doit y avoir que le jeu. Un jeu, ce qu'on appelle un jeu éducatif, un jeu à travers lequel l'enfant va apprendre. Mais on ne doit pas encore lui enseigner ses notions de halal et de haram. On ne doit pas lui enseigner ses notions de « Allah Ta'ala va te punir ». Non, il doit simplement s'amuser. Et dans le jeu, il doit découvrir ce qui est bien et ce qui est mauvais. On fait en islam la distinction entre deux éléments. L'âge de la puberté, à partir duquel nous considérons en tant que musulmans que Allah Ta'ala nous juge, va nous punir sur nos actes, sur nos bonnes actions ou sur nos mauvaises actions. Et on fait la différence avec l'âge de l'aql, l'âge de la raison. L'âge de la raison, c'est l'âge à partir duquel mes bonnes actions sont comptées, mais pas encore mes mauvaises. On dit de manière assez droite au but pour les Marseillais, qu'un enfant, lorsqu'il va prier, même s'il n'est pas à la oudo, même s'il ne sait pas le faire correctement, Allah Ta'ala va le récompenser. C'est pas totalement vrai. C'est vrai à partir du moment où il a l'âge de la raison. Quand il commence à comprendre qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien, Allah Ta'ala le récompense. Et donc finalement, ça nous donne un enseignement important. Nous, musulmans, vous savez, la méthode par exemple Montessori ou toutes les méthodes qui existent éducatives, c'est nous, musulmans, qu'on devrait avoir inventé de très bonnes méthodes pour rendre l'enfant responsable très tôt, conscient très tôt, éveillé très tôt. On a tout intérêt à le faire. Pourquoi? S'il est éveillé à 3 ans, alors tout ce qu'il fera de bien à 3 ans est compté pour lui. S'il est éveillé à 1 an, eh bien tout ce qu'il fera à partir de 1 an de bien, c'est compté pour lui. Plus on va retarder cet âge de l'éveil, de la raison, et malheureusement, eh bien tout ce qu'il va faire, et un enfant fait des choses de manière naturelle, il fait des choses bien, mais s'il n'a pas conscience que ce qu'il fait c'est bien, alors nous pensons qu'Allah Ta'ala ne va pas le récompenser pour cela. La place des mères des croyants dans cette question du savoir, elle est là. Elle est dans cet exemple, comment éduquer, comment apprendre, quelle démarche, et à travers spécialement la porte de Hafsa radiallahu anha. La mère des croyants, Hafsa bint Omar ibn al-Khattab, a été un exemple formidable sur le savoir. Elle rentre dans la maison prophétique avec un grand M, sans savoir lire, sans savoir écrire. Et le prophète va lui assigner une enseignante qui va l'éduquer par rapport à l'écriture, mais aussi par rapport à la moralité. Et il y a une anecdote, je ne vais pas vous spoiler le livre, il y a une anecdote qui fait qu'à un moment donné, Hafsa radiallahu anha ne va pas respecter un enseignement. Elle va faire un petit impair. Et le prophète va aller voir son enseignante et va lui dire « Tu as oublié de lui enseigner quelque chose. » Alors ce quelque chose, je vous laisse le découvrir dans le livre, bien sûr. Un autre élément qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de foi, de spiritualité. Nous avons tous besoin, en tout cas pour ceux qui sont croyants, de rechercher la présence de Dieu en nous. Nous avons besoin de se sentir fidèle à son message, fidèle à ses valeurs. Nous avons besoin de se sentir en adéquation parce que nous pensons qu'il va, Azza wa Jal, nous juger. À chaque fois que Allah Ta'ala dans le Coran appelle à croire en lui, il
colle tout de suite l'élément du jour du jugement, la croyance dans le jour du jugement. Parce que les deux doivent être liés. Si je crois qu'il y a un Dieu, mais je pense qu'il n'y a pas de jugement, quel intérêt à obéir et quelle crainte à ne pas à commettre, plutôt quelle crainte à avoir si jamais je vais commettre des erreurs. Par contre, lorsque je pense que je vais être jugé, alors cela me permet d'être recadré, de me maintenir. C'est comme s'il y a un code de la route, mais aucune sanction. Certes, quelques-uns d'entre nous vont faire attention, mais d'autres, moi le premier, on va en profiter. La foi, donc, c'est quelque chose qui est importante. Et les mères des croyants, leur place aujourd'hui, c'est de nous montrer comment se reconnecter avec Allah Azza wa Jal. Comment se lier avec Allah Ta'ala. Comment se réconcilier avec Dieu. Comment vivre sa spiritualité. Elles ont toutes été un exemple dans ça. Et leur place aujourd'hui, c'est de nous apprendre cela, de nous montrer cela. Et spécialement l'une d'entre elles qui est Juwayriya. Vous savez, on connaît beaucoup de l'histoire de Khadija. On connaît beaucoup de l'histoire de Aïcha ou encore de Hafsa, mais très peu de Zaynab bint Khuzaïma, de Juwayriya, de Maïmouna bint Al-Harith. Pourtant, elles sont tous nos mamans. Et j'aimerais qu'on se pose cette question. Imaginez le jour du jugement, lorsqu'on va rencontrer Rasulillah, ou au paradis, Inch'Allah Ta'ala, nous tous, rencontrer le prophète, entouré de ses épouses, parce que certainement elles seront autour de lui, et comment allons-nous répondre si on ne sait pas reconnaître Maïmouna? Si on ne sait pas reconnaître Juwayriya, si on va simplement s'intéresser à Khadija bint Khuwaylid, si on va simplement s'intéresser à Aïcha, bon, sur Aïcha, c'est un bon coup, parce qu'on sait que le prophète l'aimait trop. Du coup, c'est intéressant pour nous. Mais les autres mères peuvent nous poser ces questions-là. Et nous alors? Parce qu'elles font partie du message. Allah Ta'ala dit dans un verset de le Coran, je ne le cite pas mot pour mot, mais le sens... Il appelle les mères des croyants à porter le message de la da'wa avec le prophète. C'est-à-dire que le message de l'islam a été donné à Rasulullah, mais l'ensemble de ses élèves, les compagnons, doivent transmettre ce message-là, et à plus forte raison, les mères des croyants. Parce que c'est elles derrière qui vont enseigner à la communauté une fois que lui ne sera pas là. Et d'ailleurs, à sa mort, les compagnons ont posé cette question à Aïcha radiallahu anha, en lui disant « Ya Umm al-Mu'minin, nous, on ne vit pas avec vous, on ne vivait pas avec le prophète, on le voyait dans un cadre public, on le voyait à l'extérieur. Comment était-il à l'intérieur du foyer? Comment il était? Et elle disait, Kana khuluquhu al-Qur'an. C'était un Coran vivant. Sa moralité, c'était le Coran. Il parle, c'est le Coran. Il vit, c'est le Coran. Il marche, c'est le Coran. Le Coran est un livre théorique, il en était la pratique. Il était un Coran sur pattes, si je peux me permettre cette expression-là. Donc la place des mères des croyants aujourd'hui, c'est de nous éduquer, de nous montrer comment se réconcilier avec Allah Azza wa Jal, comment vivre notre spiritualité au quotidien et spécialement à travers Juwayriya. Nous avons aussi besoin aujourd'hui de liens sociaux. On a besoin de se sentir utile, d'avoir des personnes autour de nous. Vous savez, il y a un jeu lorsqu'on ferme les yeux et qu'on se laisse aller en tombant. S'il y a une personne... de confiance derrière, on pourra tomber raide, sans inquiétude, car on sait que la personne va bien nous retenir. Comme lorsqu'on monte un mur d'escalade, on sera en confiance de monter sans aucune crainte, sauf si vous avez le vertige comme moi, parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un en bas qui peut nous sécuriser d'une bonne manière. Eh bien, le lien social, c'est exactement pareil. Se sentir entouré, sentir qu'on a un groupe autour de nous, que nous avons des amis, une famille, que nous avons des personnes qu'on a tissé notre toile, nous sommes des araignées, nous avons tissé une toile, un lien autour de nous, eh bien c'est beaucoup plus rassurant d'avancer dans la vie. Parce qu'on sait que même si on fait une erreur, il y a un groupe de personnes, nos liens sociaux, qui sont là autour de nous pour nous aider. Les mères des croyants, leur place des mères des croyants aujourd'hui, c'est cela. C'est de nous montrer, de nous apprendre comment tisser ce lien social. Quel lien social choisir? Nous disons au minimum 17 fois par jour, dans la prière, à travers la Surat al-Fatiha, nous demandons à Allah Ta'ala de nous accorder la bonne compagnie et de nous éloigner des mauvaises personnes. Il y a donc cette notion de lien social au quotidien, chaque jour, dans nos prières. Eh bien, les mères des croyants ont été cela. Et l'exemple le plus parfait parmi elles sur ce lien social, c'est Maïmouna bint al-Harith. Maïmouna a été celle que Aïcha disait d'elle, c'est celle qui a le plus veillé à maintenir la bonne relation entre nous toutes.
c'est-à-dire entre les mères des croyants. Maïmouna essayait, vous savez, chez les mères des croyants, il y avait deux clans. Il ne faut pas le voir dans un sens péjoratif, faut pas le voir dans le sens d'un gang, mais il y avait parfois des amitiés plus fortes dans ce groupe-là et des amitiés plus fortes dans ce groupe-là. Maïmouna a toujours essayé de casser ce mur, cette barrière, et de toutes les faire rassembler. Et souvent, on trouve dans un groupe d'amis, il y a toujours une ou un qui joue ce rôle-là. Nous avons aussi besoin aujourd'hui de réforme. Nous avons besoin de nous remettre en question, et nous sommes la religion qui appelle au réformisme. Nous pensons par exemple que Allah Ta'ala envoie chaque siècle un individu ou des individus qui viennent réformer la société. Nous avons besoin de réforme parce que le musulman est une rivière. Il n'est pas un lac. Il n'est pas une mer simplement. La mer peut être un peu agitée, mais une mer sous-entend qu'elle est enfermée. C'est pas comme un océan. Le musulman est une rivière constamment en mouvement, constamment en évolution. Même si c'est un tout petit peu, il doit constamment avancer, constamment évoluer. Mais il ne doit jamais être un lac en suspens. Et ainsi, c'est pour ça que le musulman va constamment se réformer. Il y a une réforme, par exemple, du cœur, à travers ce qu'on appelle tazkiyatun nafs. Il y a la réforme sur nous-mêmes, sur notre comportement. Omar ibn al-Khattab disait « Jugez-vous avant d'être jugé. Chaque soir, faites votre bilan. Dites « Ya Allah, j'ai fait cela, alhamdulillah. Ya Allah, j'ai fait cela, astaghfirullah. Ya Allah, j'ai fait ceci, alhamdulillah. Ya Allah, j'ai fait cela, astaghfirullah. » Jugez-vous avant d'être jugé. Donc nous sommes la religion des mujaddidoun, des réformateurs, du réformisme. Et d'ailleurs, c'est l'une des sciences qu'on a dans les sciences islamiques, sur les réformateurs et les grands réformistes, etc. Et donc la place des mères des croyants, c'est de nous montrer aujourd'hui quelle réforme nous devons entreprendre et comment nous devons entreprendre ces réformes-là. Et l'exemple le plus parfait, c'est Aïcha radiallahu anha. Son époux, le bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a illuminé la ville de Yathrib, qui va devenir Al-Madina al-Munawwara, la ville illuminée. Illuminée par la présence de cet homme. Eh bien, si son époux, sallallahu alayhi wa sallam, a illuminé la ville de Yathrib, Aïcha, par ses réformes, a fait de cette ville une ville des lumières. Et c'est cela la place des mères des croyants aujourd'hui. C'est de nous montrer, de nous donner cette feuille de route, comment nous devons entreprendre les réformes. Comment le musulman doit être un acteur. Comment il doit donner plutôt un grand coup de pied dans la fourmilière. Et nous savons tous que nous avons une communauté où il y a beaucoup de choses à changer et à réformer. Aujourd'hui, nous avons aussi besoin d'une famille, quelle qu'elle soit. Parfois, notre famille ne nous plaît pas. Parfois, nous avons des soucis dans notre famille. Et lorsqu'on a ça, donc soit on aime notre famille et on veut être proche de cette famille, soit nous avons beaucoup de problèmes dans cette famille et la fitra, notre inné, nous pousse à refonder une nouvelle famille, parfois à fuir, à se marier, à vouloir fonder une famille pour tout changer. Mais le fait est qu'on a besoin d'une famille, quelle qu'elle soit. Soit la nôtre, et parce qu'on se satisfait d'elle, soit on va vouloir en fonder une nouvelle en faisant une réforme, en changeant ce qui n'allait pas, en gardant ce qui allait. La place des mères des croyants aujourd'hui, c'est de nous montrer quelle famille fonder. Vous savez qu'on ne peut pas. Je me rappelle une fois au Bourget avoir entendu un des savants qui intervenait et qui disait, avant de monter dans le minbar, un frère ou une sœur, je ne me rappelle pas, il me semble que c'était un frère plutôt, il me demande, Ya Cheikh, faites-moi dua pour que j'ai une femme qui ressemble à Fatima. Et il lui a dit, mais est-ce que tu ressembles à Ali? Et ça, c'est quelque chose qui est assez fort. Aujourd'hui, la famille musulmane, c'est le pilier de cette société islamique. C'est le pilier de cette grande communauté. Quand on prend une famille au sens le plus large, on a une grand-mère, un grand-père, des oncles, des tantes, etc. L'ensemble, c'est la famille. La umma, c'est ce socle, c'est cette famille au sens le plus large. Mais si on a un oncle où ça ne va pas, une tante où ça ne va pas, des cousins qui ne vont pas, l'image de la famille en prend un coup. Eh bien, la place des mères des croyants aujourd'hui, c'est de nous montrer comment réussir cette famille-là, cette communauté musulmane, ce qu'on appelle la Ummah musulmane. Et notamment à travers l'exemple de Saouda. Saouda,
qui a été Bint Zam'a, radiallahu anha, qui a été un parfait exemple dans cela, puisque c'était une femme de poigne qui a maintenu la famille du prophète après le décès de Khadija, radiallahu anha. Enfin, on a besoin aussi d'un exemple, aujourd'hui, d'un exemple à qui ressembler, un exemple dans l'adversité, dans les soucis. Parfois, on va se plonger uniquement dans la vie des prophètes. Lorsque, par exemple, on a besoin de patience, on va tous dire de manière naturelle « Ayyub alayhi salam ». Mais il n'y a pas que les prophètes. Mon premier livre était sur les prophètes, alors je ne vais pas dévaluer leur importance. Mais il n'y a pas que les prophètes, il n'y a pas que le prophète, il n'y a pas que les compagnons. Il y a aussi des exemples à puiser de nos mères, de nos mamans. Et par exemple, dans l'adversité, c'est l'exemple de Safiya radiallahu anha. Enfin, on a besoin aussi de porter une cause. Et on est aujourd'hui avec le thème des fémèses. Je vais pouvoir clôturer, parce qu'on arrive presque au bout, sur Salama, qui a été Salama, une femme qui a porté la cause des femmes. Vous savez, si dans le Coran, aujourd'hui, on a des versets qui disent « Al-Muslimuna wal-Muslimat, As-Sadiquuna wa-Sadiqat » Je ne le dis pas dans l'ordre. Mais si à chaque fois on a le féminin, c'est parce qu'à un moment donné, Salama, elle est arrivée avec son caractère qu'on lui connaît, et elle a dit à Rasulillah, « Et alors ?» Il n'y a toujours que les hommes, et nous. Et là, Jibril, alayhi salam, qui descend et qui dit « Al-Muslimuna wal-Muslimat, wal-Mu'minina wal-Mu'minat, wal-Muhsinuna wal-Muhsinat, al-Tayyibina wal-Tayyibat, al-Sadiqina wal-Sadiqat. » Allah Ta'ala répond à cette femme-là. Et c'est sûrement parce que les mères des croyants savaient qu'elles portaient le mieux la cause des femmes lorsqu'elles se sentaient un peu abandonnées parce que les musulmans offraient toujours des cadeaux à Aïcha et pas aux autres. Alors ils sont allés la voir, elles lui ont dit « Parle à Rasulillah s'il te plaît ». C'est celle qui incarnait le mieux la cause des fémèses, la cause des femmes. Comme on doit arriver au bout pour ne pas déborder, en chacune de nos mères, dans chacune d'entre elles, il y a des exemples. Et je vais vous lancer un défi de manière comment vivre avec les mères des croyants aujourd'hui en puisant des enseignements, des moralités, des exemples dans chacune d'entre elles. Encore une fois, je vous invite à vous procurer mon livre sur les mères des croyants. Feuilletez-le, annotez-le, barrez, notez, puisez des enseignements et vivez chaque jour avec les mères des croyants. Aujourd'hui avec Khadija, demain avec Aïcha, après-demain avec une telle, etc., etc. Et si vous avez trop abîmé le livre, c'est pas grave, vous pouvez vous en procurer un deuxième à la librairie Azaytouna. C'est pas un souci. Mais vous devez vivre avec les mères des croyants au quotidien. Vous devez vraiment puiser des enseignements. Parce que c'est cela l'islam. C'est prendre un exemple et vivre avec cet exemple-là. Pour finir, on invoque Allah Ta'ala selon notre souhait. Si j'ai besoin d'une ouverture, je vais invoquer Allah Al-Fattah. Si je veux des bénédictions, je vais invoquer Allah Al-Razzaq. Si je veux le pardon, je vais invoquer, Masha'Allah, il y a énormément de noms et d'attributs, peut-être parce qu'Allah Ta'ala sait que nous sommes des pécheurs. Al-Ghaffar, Al-Afou, Al-Tawwab, etc. Eh bien, les mères des croyants, c'est exactement pareil. Pour chacune des causes que nous vivons aujourd'hui, pour chacun des faits que nous vivons aujourd'hui, je peux puiser un exemple dans l'une ou dans l'autre. Barakallahu fikoum, désolé d'avoir un peu tardé. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fikoum pour cette intervention très inspirante et qui finalement viendrait contredire les théories parfois qui pourraient affirmer que l'islam serait une religion patriarcale, puisque la femme finalement peut s'identifier à ses mères des croyants et suivre leur exemple. Donc Barakallahu fik, merci beaucoup pour cette intervention. On rappelle à ceux qui nous suivent sur YouTube que vous êtes libres de poser des questions pour nos intervenants et ensuite s'en suivra donc une session de questions-réponses. Donc si vous avez des questions pour notre intervenant, n'hésitez pas à les poser via le chat pendant toute l'intervention. Et si vous aussi aujourd'hui vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là, prêt à y répondre. Non, père. Intervention. Ah, une question.
On peut lui donner un micro, c'est possible, il y en a un. Bismillah, alhamdoulilah, barakallahu fik pour cette invention, cher. Je me pose la question toute simple de savoir, est-ce qu'il n'y aurait pas des exemples contemporains qui pourraient un peu plus parler? Et effectivement, c'est important d'aller puiser les exemples dans nos mères, mais est-ce que ça ne serait pas aussi intéressant de trouver des exemples, je ne dis pas peut-être contemporains de nos jours, mais un peu plus récents dans l'histoire, on va dire, dans l'histoire humaine contemporaine? Sûrement, mais du coup, comme la thématique était autour des mères des croyants, j'ai pris cet exemple-là des mères des croyants. Bien sûr, il doit y en avoir. Bien sûr, il doit y en avoir. Mais peut-être la réponse facile serait de dire, on sait que les compagnons, leurs successeurs et les élèves de leurs successeurs sont les meilleures générations. Les trois générations sont les meilleures. Du coup, quoi de mieux que de puiser un exemple dans le meilleur? Dans ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas, c'est le haut de gamme de l'exemple. Et tout exemple qui va venir aujourd'hui, aussi fort soit-il, par exemple, j'ai cité Zainab Al-Razali, qui je pense est un magnifique exemple, mais elle ne peut pas arriver à la cheville de l'une de nos mères. Elle ne peut pas, et pourtant, mashallah, c'est une grande femme. Il peut y avoir énormément de grandes femmes aujourd'hui, mais elles ne sont pas. Elles ne pèsent pas, elles ne sont pas le poids de nos mères. Parce que j'espère, en tout cas je crois pour Zainab Al-Razali ne pas me tromper, elles ont puisé leur action dans l'exemple de nos mères. Et donc nos mères ont une part de récompense là-dedans. Wallahu a'lam. Juste aussi, votre question me permet de rebondir sur ce que vous avez dit. Quand on dit que l'islam, justement, patriarcale ou matriarcale. Au contraire, l'islam vraiment tourne autour de la femme. J'ai écrit dans la quatrième de couverture la maternité de l'information. Aujourd'hui, on fait certaines pratiques culturelles, certains rites qu'on tient grâce à nos mères. Parfois, de manière simple, on va dire les compagnons nous ont enseigné ou bien le prophète a dit, mais sans savoir qu'en réalité, on le tient de l'une de nos mères. Donc, elles ont joué un rôle très important dans la propagation de l'enseignement. Et cette religion, c'est la religion qui a considéré qu'il y a quatre maîtresses du paradis. Mariam, Asya, Fatima et Khadija. Mais il n'y a pas les maîtres du paradis. Il y a un seul maître, c'est le maître suprême, Allah Ta'ala. Mais il y a les maîtresses du paradis. Il y a les mères des croyants, mais il n'y a pas de père des croyants. Donc c'est elles qui vont nous porter, qui nous portent, qui nous éduquent, qui nous accompagnent, qui nous élèvent. Et c'est ça qui est important. Lorsqu'on prend les quatre califes, Abu Bakr jusqu'à Ali, ils ont tous cherché le conseil politique auprès des mères des croyants, auprès de Aïcha, de Saouda, de l'une ou de l'autre. Donc vraiment, cette religion tourne autour de la femme. Je dis à mes élèves, en tout cas, peut-être pas eux, mais souvent, c'est beaucoup mieux d'être une femme en islam que d'être un homme. Parce que justement, Allah Ta'ala a donné, et ce n'est pas un discours de complaisance pour plaire, parce qu'on est dans une thématique d'éphémèse ou à quelques jours de la journée de la femme. Non, c'est la réalité. L'islam a donné une karama, une importance énorme à la femme, mais malheureusement, c'est notre faute, cette idée de patriarcal, parce que nous, musulmans, on n'a pas su expliquer, montrer, démontrer, avec des preuves claires, que Allah Ta'ala a placé la femme sur un Oui, c'est vrai, la femme et l'homme ne sont pas égaux. Parce que la femme a une place supérieure, je pense, à l'homme. Et l'homme n'a que des responsabilités supérieures par rapport à la femme. Il doit assumer ce que la femme n'est pas obligée d'assumer. Par exemple, un homme qui dépense dans son foyer, c'est son obligation. Mais lorsque la femme le fait, c'est une sadaqa. Donc c'est simplement dans la responsabilité. Par contre, dans la place, clairement, c'est la femme qui a une meilleure place. Parce que ne serait-ce que pour ce que je viens de citer, les maîtresses du paradis et les mères des croyants. Barakallahu fik, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? Non? Alors je vous remercie beaucoup. Merci pour votre intervention. On rappelle que votre livre est disponible donc à la vente, qu'il est aussi disponible au sein de la librairie Azaïtouna. Et si vous n'avez pas encore entendu parler de la librairie Azaïtouna, eh bien je vous propose de la découvrir en images. Et on se retrouve juste après, Inch'Allah.